Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous continuez à aller tous bien. On va euh, continuer euh, dans l'exercice de stéréochimie, notamment l'exercice euh, 4. Euh, dans un premier temps, donc, on considère le, le stéréoisomère qui est ci-dessous. Il faut déterminer la configuration absolue des carbones asymétriques et dessiner ensuite les deux conformations chaises de cette molécule et identifier la plus stable. Alors, dans un premier temps, petite astuce, hyper, donc on l'a déjà vu, ça fait partie des choses qu'il faut connaître, c'est pour isopropyl, et ça correspond en fait à ce groupement-là, donc un groupement avec un carbone CH, CH3, CH3. C'est-à-dire qu'ici, si je le redessine, on a en arrière-du-plan, Quelque chose comme ceci, en avant du plan, quelque chose comme ça. Alors, on va commencer eh bien, par déterminer où sont les, les carbones asymétriques. Alors, il y en a deux, hein, en fait. Il y a ce carbone-là qui a quatre groupements différents et ce carbone-là qui a quatre groupements différents. On va déterminer la configuration absolue de chaque carbone en recherchant d'abord avec les règles CIP. Eh bien, quel est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième Donc le quatrième ici, et pour les autres, ça sera l'hydrogène. L'hydrogène est en avant du plan. Ici, on le rajoute, et il sera le quatrième. On a à regarder la différence entre carbone, carbone, carbone. Donc c'est la même chose. Ce carbone-là, il y a deux carbones, ce carbone-là, il y a un carbone, ce carbone-là, il y a un carbone. C'est donc ce groupement isopropyle qui est en premier. On continue pour déterminer le 2 et le 3. Donc vous avez ici un carbone, un carbone, un carbone lié à un carbone, un carbone lié à un carbone, ce carbone est lié à un carbone, ce carbone est lié à un, carbone. Carbone lié à un deux carbones. C'est celui-ci qui arrive en deuxième et celui-ci qui arrive en troisième. On tourne dans ce sens-là. Mais attention, on a le quatrième groupement qui est face à vous. Donc, il apparaît R. Mais ce n'est pas un R, mais un S, parce qu'on est en sens de lecture indirecte. Donc, en conclusion, ce carbone-ci est S. On va passer au deuxième carbone. Alors on a un autre groupement, le quatrième qui est en arrière du plan, c'est l'hydrogène, donc on est en sens de lecture direct. Il est 4. Nous avons ici un carbone, ici un autre carbone et ici un autre carbone. C'est la même chose. Ce carbone là il y a rien du tout. Ce carbone là est lié à un carbone. Ce carbone là est lié à un autre carbone c'est celui-ci qui sera le troisième. Donc on en est à ces deux carbones. On a dit il y a un carbone, il y a un carbone. On voit que ce carbone-là, il y a deux carbones. Ce carbone-là qu'un seul. C'est celui-ci qui est premier et celui-ci qui est deuxième. On tourne dans ce sens-là. On est donc dans le cadre d'une configuration. S, et cette fois-ci on est dans le sens de direct de lecture vu que le quatrième groupement est en arrière du plan. Donc la configuration des deux carbones est très simple, c'est une configuration de type SS. On va numéroter nos carbones, alors on part d'où on veut, on va dire 1 ici, 2, 3, 4, 5 et 6. On va commencer, c'est là où tout l'intérêt du travail. On va commencer par dessiner les deux chaises, les deux conformations chaises qu'on peut avoir. Alors, il y a plusieurs méthodes en cours. On en a fait une où je vous ai présenté. C'est celle que je vais reprendre, mais vous trouverez sur le Moodle une vidéo qui explique comment faire une chaise, comment faire les, les conformations chaises un petit peu différemment. Mais bon, peu importe. Que ce soit la méthode, moi je fais comme ça, je construis deux parallèles, comme ceci. Pour l'autre conformation, je fais aussi deux parallèles. Ensuite, eh bien, je les rejoins comme ceci. Voilà. Alors sachez que on, je, la façon de filmer, je peux vous assurer que je ne suis pas dans des situations confortables. Mais bon voilà. On va ensuite placer mes euh, positions. Axial et mes positions équatoriales. Alors, pour les positions axiales, je vais prendre une autre couleur. Donc, en fait, la chose à savoir, c'est que les axiales, pour savoir laquelle positionner, donc axial, c'est toujours perpendiculaire par rapport au plan. Et la première, celle qui est à gauche ici, elle se situe toujours vers le bas. Celle qui est en bas à gauche est toujours vers le bas. Ensuite, pour faire les autres, en tournant dans quel que soit le sens que vous tourniez, eh ben, en tournant, il faut alterner. Un coup je descends, un coup je remonte. Je monte, je descends, je monte. Je descends, je monte. Pareil pour l'autre conformation. Ici, vous descendiez, vous montez ici, on descend, on monte, on descend, on monte. Pour les positions équatoriales, alors les positions équatoriales... Il y a deux méthodes. Sachez que vous pouvez d'abord voir que euh, vous allez aller vers l'extérieur, donc soit en montant, soit en descendant. Sinon, sachez que ça correspond à la parallèle qui correspond à, euh, à la direction que vous avez sur la, sur la position précédente de la liaison précédente. À savoir, ici, pour cet atome-là, je vais prendre cette direction-ci. Comme ceci. Ici, je vais prendre cette direction là comme ceci ici je vais prendre cette direction là comme ceci ici je vais prendre cette direction là comme ceci ici je vais prendre cette direction là comme ceci et enfin pour la dernière je vais prendre cette direction là je pense si c'est joli ce que je suis en train de faire comme ceci pareil ici je vais prendre cette direction là, comme ceci. Ici, je vais prendre le truc descendant. De toute façon, c'est un coup je monte, un coup je descends, un coup je monte, un coup je descends. Ici, cette direction là. Ici, cette direction descendante ici. Ici, cette direction montante, comme ceci. Et enfin celle-ci, cette direction là, cette direction là. Donc voilà, on a l'ensemble des squelettes en fait dont on a besoin. Il faut maintenant et eh bien positionner les choses par rapport et eh bien à la configuration que l'on a. Donc pour ça, le plus simple encore, c'est de se placer, de se voir qu'ici finalement vous avez une vue de dessus, un petit peu comme la caméra qui est positionnée au dessus. Donc on a une vue de dessus, donc il va falloir et eh bien placer un œil ici et en fonction de ça et eh bien voir qu'est-ce que vous avez ici devant et qu'est-ce que vous avez en arrière. Alors on va commencer par bah, l'atome, simplement l'atome 1, et on va commencer à les numéroter. Donc ici on a numéroté de 1, 2, 3, 4, 5, et eh bien on va commencer ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Attention, c'est très important. Quand on passe à la deuxième conformation, ici ce n'est pas l'atome 1 mais l'atome 1 est ici. Alors j'en ai parlé en cours, c'est vraiment important parce que si vous ne faites pas ce petit écart, tout est faux. Donc l'atome 1 ici et l'atome 1 ici. Faites bien attention à ça. Ensuite, eh bien ensuite on va regarder justement cet atome 1. Cet atome 1, qu'est-ce que vous voyez quand on le regarde comme ceci Qu'est-ce que vous voyez en avant du plan Ce que vous voyez en avant du plan, c'est Ce un hydrogène. Et ensuite, en arrière du plan, c'est un isopropyl. Dès lors, sur cette conformation-là, vu que l'œil regarde par le dessus ici, vous avez forcément ici l'hydrogène et ici le groupement isopropyl CH. CH3 deux fois. Pour l'atome 2, aucun intérêt, de toute façon, c'est deux hydrogènes. L'atome 3, l'atome 3, vous avez devant vous le CH3 et en arrière du plan, l'hydrogène. Alors, quand on regarde comme ceci, forcément, le CH3 ici est en équatorial et l'hydrogène est en axial. L'atome 4, axial, équatorial. L'atome 5, équatorial, axial, axial, équatorial. D'accord Donc je répète en violet les positions axiales et ici les positions équatoriales qui s'écartent du plan. Ah je ne peux pas y arriver. Passons maintenant à la molécule 6, à la molécule, à l'autre conformaire. Excusez-moi, à l'autre conformaire qui est ici. On réfléchit de la même façon. Sur l'atome 1, vous voyez en premier lieu devant vous, devant le plan, un hydrogène. Vous avez l'œil qui est ici, donc l'hydrogène est en position axiale, et le groupement CHCH3 est en équatorial. Pour la carbone 2, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Pour le carbone 3, on voit en premier le CH3 en arrière du plan, l'hydrogène. Quand on regarde avec l'œil ici, vous allez voir en position axiale le CH3 et en position équatoriale l'hydrogène. Pour les autres atomes, c'est beaucoup plus simple, ce n'est que des positions hydrogènes. Donc voilà, vous venez de dessiner maintenant l'ensemble des deux conformaires que vous avez pour, le, euh, pour ce composé ici. La question maintenant c'est quel est le plus stable. Alors dans la conformation A vous avez l'isopropyle qui est en axial et un CH3 en équatorial. Dans la conformation B l'isopropyle est en équatorial et le CH3 est en axial. Donc la question est très simple, c'est qu'on est toujours plus stable quand on est en euh, équatorial et toujours moins stable quand on est en axial. Du coup, la situation, c'est surtout puisque vous avez à chaque fois un en axial en équatorial, et eh bien de voir que le groupement isopropyl est beaucoup plus gros que le groupement CH3. Et donc bah, du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir l'isopropyl en équatorial et le CH3 en axial. En d'autres termes, l'équilibre sera comme ceci et c'est la conformation B. Conformation B qui est supérieure plus stable. B plus stable que A. Plus, je ne vais pas réussir à faire mes phrases, excusez-moi. Plus stable que A. Donc voilà, le but de ce, cet exercice, et on l'a fait doucement, c'est de revoir un petit peu le mode d'écriture des différentes conformations. Je vous, je vous conseille de vous rentraîner à dessiner des chaises, c'est vraiment pas compliqué, un coup qu'on a compris le, le système. Et bien c'est bon pour l'exercice 4, et on va passer à l'exercice 5 par la suite. Au revoir